Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de grammaire. Aujourd'hui, nous allons aborder l'adverbe. Nous allons voir ce qu'est un adverbe, quels sont les types d'adverbes. Qu'est-ce qu'un adverbe? Les adverbes sont des mots invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Ils modifient le sens d'un verbe, d'un adjectif ou bien d'un autre adverbe. L'adverbe modifie le sens du verbe. Par exemple, elle mange silencieusement. Elle ne fait pas que manger. Elle mange en silence. L'adverbe modifie aussi le sens d'un adjectif. Par exemple, ils sont très lents. Ils ne sont pas seulement lents, ils sont très lents. Ça accentue, dans ce cas, la lenteur. L'adverbe peut modifier aussi le sens d'un autre adverbe. Par exemple, elle l'a aidé très gentiment. Une majorité d'adverbes de manière sont formés à partir d'un adjectif. Comme par exemple, l'adjectif lent devient lentement. L'adjectif gentil devient gentiment. Donc on rajoute le suffixe ment. Certains adverbes, comme aussi, plus, moins, ajoutés à des adjectifs servent à la comparaison. Par exemple, il est moins grand que son frère. Certains adverbes, comme très, fort, extrêmement, le plus, le moins, ajoutés à des adjectifs servent à former le superlatif, c'est-à-dire qu'on va amplifier le sens de cet adjectif. Par exemple, c'est le plus haut immeuble de la ville. Bon, l'immeuble est certes haut, mais c'est le plus haut. Quels sont les types d'adverbes? Il existe 6 types d'adverbes. Les adverbes de lieu, par exemple ici, là, loin, près, où, auprès, dedans, dehors, devant, derrière, là-bas, etc. Les adverbes de temps, comme avant, après, hier, aujourd'hui, demain, autrefois. Les adverbes de manière, comme ainsi, bien, mieux, mal, prudemment, lentement, et tous les autres adverbes en ment. Les adverbes de quantité, assez, trop, autant, plus, moins, davantage, peu, si, tellement, très, beaucoup, etc. Les adverbes de négation, non, ne pas, ne jamais, ne plus, nullement, point, ce sont les adverbes que nous utilisons pour la construction des phrases négatives. Et enfin, les adverbes de doute, certes, peut-être, sûrement, probablement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt et portez-vous bien.